Madame Sandra McCardell, ambassadrice du Canada avec nous à ce soir. Maintenant, à ce soir, la course marche Terry Fox. C'est dimanche, Badr-Dan, juste après la Saint-Valentin. Hein? Justement, on peut amener sa copine aussi, hein, sa femme, sa copine. C'est ça vrai. Fait romantique aussi. Madame l'ambassadrice, oui. Bonne Saint-Valentin à l'avance. Merci beaucoup. Voilà, j'ai une fleur pour vous. Ah, c'est gentil. La classe, voilà. C'est une fleur et une Saint-Valentin maroco-canadienne. Que je vous offre ce matin sur Hit Radio. Voilà, c'est pour vous. C'est un chocolat. C'est... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, comment va le Canada gentil. Tout se passe bien? Ça va? Oui, ça va bien. Non, non, tout va bien. Il fait un peu froid. C'est normal. C'est l'hiver quand même. Il fait très froid. Oui, un peu froid. Très, très froid. Et puis bonjour à tous les Marocains et Marocains qui nous écoutent au Canada. Merci beaucoup pour la poutine. Parce que la dernière fois, vous étiez avec nous. Vous nous avez parlé de ce plat qui s'appelle la poutine. La poutine. Et après, on a reçu ça 2 jours après. C'est génial. C'était très, très bon. Bah écoute, désolée que je n'ai pas pu le présenter en personne, j'ai un déplacement. Bah, mais en fait, on continue la dégustation des plats canadiens aujourd'hui. C'est vrai? Oui, je vais vous amener une tarte au sucre aujourd'hui. Non! Oui, elle est où? C'est en bas. Je pensais qu'on ne pourrait pas manger dans le studio. Bien sûr, on mange dans le studio. Bah écoute, on l'amène. Au pire, s'ils nous disent pourquoi vous avez mangé dans le studio, on dit c'est la madame l'ambassadrice qui a décidé ainsi. Et après, tout le monde va, c'est bon, pas de problème. La course, Terry Fox. Alors, Terry Fox, quelle est l'histoire de Terry Fox? Ben, Terry Fox, comme vous rappelez de l'an dernier, ouais. C'est un jeune Canadien qui était atteint lui-même de cancer à l'âge de 18 ans, qui ouais. a perdu sa jambe droite dans le traitement. Et par la suite, il a voulu faire une action pour justement lever des fonds dans la lutte contre le cancer. Ouais. Il a pris la décision héroïque de justement traverser le Canada dans son ensemble, de la côte Atlantique à la côte Pacifique. Il a commencé, il a fait chaque jour un marathon complet sur son prothèse. Et en fait, à mi-chemin, il a découvert qu'il était atteint de nouveau de cancer. Il a dû quitter la course et malheureusement, il s'est décédé par la suite. Et donc, on a repris son nom. On était touché par son courage personnel, sa souffrance personnelle physique. Et on fait des courses à travers le Canada. Et venu au Maroc, on voulait en tant que pays, en tant qu'ambassade, contribuer au pays. Et justement, on a voulu, avec nos partenaires ici au Maroc, monter quelque chose pour contribuer au Maroc aussi. Très bien. C'est la combienième course marche? Écoute, c'est la quatrième, mais on a eu une pause d'à peu près dizaine, quinzaine d'années entre numéro 2 et numéro 3. Dernière. Voilà, on a repris l'an dernier, justement, quand on s'est rencontrés. Très, très bien. Ah, bah, génial. Très bien. Et c'est avec... Donc, il y aura une association qui va profiter... Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que les gens, Gannes et Brawijo, qui peuvent se déplacer, parce que c'est pour une association. Laquelle? C'est l'association L'Avenir. Qui va recevoir les fonds par la suite. Et en fait, mais le but, c'est, oui, de lever des fonds, mais c'est aussi de faire une visibilisation de la cause, de la cause du cancer. Et en troisième lieu, aussi d'encourager surtout les jeunes et les familles de participer dans une vie active. Et c'est top en plus, parce que c'est à partir de 8 heures. Bon, il faut avoir le maximum ponctuel possible, ça serait bien. L'année dernière, vous avez commencé en retard, l'année dernière? Non, 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 il a commencé à l'heure. Vous avez commencé à l'heure. Ça commence à l'heure. Ça, donc, les inscriptions, c'est à partir de 8 heures du matin. Le point de rendez-vous, c'est... C'est l'hôpital des enfants à Vicennes. À Vicennes, l'hôpital des enfants à Vicennes. Voilà, c'est ça, c'est le début, c'est la fin. C'est le début, la fin. Donc après, le parcours, c'est fin. Ça commence par où ça se termine où? Voilà, ça commence à l'hôpital des enfants. C'est un parcours de 5 km, c'est un grand circuit, comme vos auditeurs peuvent voir de ma main. C'est un circuit comme ça. et ça termine justement à l'hôpital des enfants. Et c'est goudronné, c'est une route qui est sécurisée par la ville et par la wilaya. Excellent, donc tout est bien organisé, allez-y. Si vous voulez participer, il y a pour participer, c'est free, c'est où il faut. Écoute, il n'y a pas de frais d'inscription prédéterminés. On contribue selon nos moyens. Très le bien, but voilà. C'est de participer. Donc il y a quoi? Il y a des t-shirts. Voilà. Un élève, c'est un t-shirt. Tu vois la vidéo en bas. Il y a un t-shirt. Voilà pour participer, ça va directement à l'association. Voilà, c'est de 50 dirhams les t-shirts. Voilà. Et tout, on a été chanceux cette année. On a eu des sponsors qui nous ont sponsorisé les t-shirts. Donc, tous les fonds peuvent aller directement à la Fondation de l'Avenir. Bah, merci à eux, c'est génial ça, c'est top. Et donc, ce matin, moi, je mets un t-shirt. T-shirt de la course Terry Fox Rabat 2015. Maintenant, je peux vous dire que Zama, pour dimanche, vous comptez sur moi, mais pas beaucoup quand même. Ne comptez pas, Zama. Bon, vous, allez-y, je vous rejoins. Okay. Oh, superbe. On se retrouve là-bas, okay, à partir de 8h. Moi, je dis qu'il faut que je paye ce micro. Donc, je vais payer ce t-shirt. Okay, voilà. Voilà, je le paye. Voilà. Oh, c'est gentil. Surf. Est-ce que la monnaie, il y a surf? Non, je rigole. Surf, il y a la monnaie, surf.
صرف يا لا موني دونك تجي ما عندكش صرف فوالا دو فاصون on n'a pas besoin de surf parce que je sais qu'on te dira. Et ça, on va le donner à votre assistante qui est là pour le t-shirt. Ça marche ? C'est gentil. Bah, non, mais c'est normal. C'est comme ça que ça se passe. Il y aura quoi ? Il y aura des t-shirts pour participer. Il y aura quoi d'autre ? Il y a des t-shirts pour participer. Comme on dit, il faut faire une inscription sur place. On offre une contribution selon nos moyens. On peut faire des dons directement. Voilà, directement sur place. Très on bien. A aussi, et on peut le mettre sur votre site web aussi, on a un compte où les gens qui peuvent déposer à partir de la banque peuvent faire un dépôt direct. Très bien, très bien. Et tout ça, c'est avec la Fondation de l'Alassalma. Voilà, c'est sur l'égide de la Fondation de l'Alassalma. Ouais. On apprécie énormément leur appui. Et d'ailleurs, je ne devrais pas non plus oublier de dire que demain, on aura des bénévoles à Hilton Park aussi, qui aura des t-shirts à vendre et qui seront capables aussi de recevoir les dons sur place à partir de 10h demain matin à Hilton Park. Très belle manifestation, voilà, vous allez faire une petite course, vous pouvez y aller en famille, vous pouvez acheter des t-shirts, vous pouvez participer, et Ali, c'est pas khair. Tout va bien, Bikher? Alhamdulillah, et toi? Merci, marhaba, merci de nous avoir appelé, Ali. Ali, il a participé à la course Terry Fox l'année dernière. Comment s'est passé, Ali? Écoute, c'était très bien organisé. C'est une belle expérience à la fois humaine et sportive. D'abord parce que on court pour une cause, la lutte contre le cancer. Je pense que on a tous été touchés, soit chez les amis, soit par la famille, par cette maladie. Ouais. Donc c'est quand même quelque chose qui est très noble. Et puis surtout l'expérience de Terry Fox, qui est un exemple quand même pour un sportif de motivation et d'effort. Donc participer à cette course, c'est quand même quelque chose une belle expérience. C'est très bien organisé. Il y a beaucoup de volontaires. Le parcours est sécurisé. C'est impeccable. Et franchement, je l'ai fait l'année dernière. Je le referai à chaque fois que ça sera organisé. C'est une très belle expérience. Et voilà. Donc tu y seras dimanche, Inch'Allah, Yak. Inch'Allah, bien sûr. Bon, j'aurais bien aimé que tu viennes avec moi, mais je sais que tu vas te réveiller un peu tard. C'est normal, tu te réveilles tôt toute la semaine. Bah voilà, c'est pour ça. Ouais. Vous attends, à la ligne d'arrivée. Vas-y, la ligne d'arrivée, tu nous fais. La ligne d'arrivée, c'est à quelle heure? Ça dépend à quelle heure, à quelle vitesse tu cours. Ça va, non, c'est une marche course, donc à la cool. Non, je ferai de mon mieux pour être là. J'aimerais bien être là. Qu'on se croise sur son sort avec Nzabi Douane aussi qui va être là et qu'on fasse une marche, une course. Toi Ali, tu te rappelles. Ali, incroyable. Il a les détails du détail de la course l'année dernière. Quels sont les détails de l'année dernière? Alors, Sidi, la course l'année dernière, elle a commencé à 9h58 exactement. C'était très précis. Le parcours est de 5 km 70, parce que j'ai un GPS qui suit tout, et je l'ai fait en 41 minutes. Donc, si tu veux d'autres détails... Non, franchement, il y a tous les détails. C'est impressionnant. C'est impressionnant, madame l'ambassadrice. Et la température? Il faisait un peu frais, il faisait 12 degrés, mais bon, quand on court, ça se réchauffe tout de suite. C'est fantastique. Merci beaucoup, Ali. J'espère que vous allez participer. Je vous en prie, madame l'ambassadrice, et bravo pour ce que vous faites et bonne continuation. Merci beaucoup, Ali. Merci. Très bonne journée. Je crois que c'est magnifique, ça. C'est magnifique. C'est top. Donc, allez-y, dimanche, c'est à partir de 8h, Matmid El Sbah, l'hôpital d'Il Dresrar. C'est l'hôpital d'Il Avicenne. كاين في الرباط ديال الدراري الصغار تلاقاو تماك مجموعين غادي تقيدوا اللي بغى يتعاون بشي حاجه يتعاون بها اللي بغى يعطي شي حاجه يعطيها اللي بغى يشري شي تيشيرت يشريه اللي ما بغى والو ما كاين مشكل يضرب شي دوره التسركيلات الصباح وبلاصة التسركيلات تيري فوكس على ماروكين يضرب التسركيلات ترونكيل ا كورس مارش وكروز دي جون وكروز دي نانا فوالا سي تو باس ا سان فالونتان تو سول لو لوندمان تي بو روباسي لا سان فالونتان نيس با كروزي كيلكان افيك كي تو باس ا سان فالونتان لاني بروشين بون اون سي جامي سي بوسيبل اون سي جامي Tout est possible, hein. Tout est possible. En tout cas, merci beaucoup d'être passé ce matin et merci beaucoup pour ce. C'est quoi? C'est une tarte au quoi? C'est une tarte au sucre. C'est comme génial. Le nom le suggère, c'est un dessert. C'est excellent. C'est un dessert, ça? C'est un dessert. Donc la dernière fois, on avait le plat de substance. Cette fois-ci, c'est un dessert. C'était la poutine et donc maintenant, c'est une tarte au sucre. Voilà. C'est comme quoi? Le couteau, par contre. C'est comme le. Ouais. Il y a le couteau dans l'intérieur non, ou pas? Non, j'ai oublié. Mais... C'est beau ça. Désolé. Mais c'est vous qui avez préparé ça? Bon, un peu comme c'est vous qui allez courir dimanche. Hein. Ça marche, merci c'est dans beaucoup. On va goûter ça. Ça ressemble à les tartes qu'on voit dans les films américains. C'est ça, hein? Oui. C'est un peu zèque, c'est ça? Oui, mais tarte au sucre, c'est particulièrement canadien. C'est particulièrement canadien. Oui, très c'est... bien. L'ambassadrice qui défend le Canada, ça, moi, j'aime bien. Ça, j'adore. Non, c'est canadien. C'est très, très bon. C'est très, très bon. Voilà, ça sera pour la fin de l'émission avec toute l'équipe. C'est génial. Merci beaucoup, madame l'ambassadrice. Merci encore. Bon courage pour dimanche. Rendez-vous dimanche à partir de 8h. Matin, soir. Fais quoi, Abdelkari? Et puis, tu m'as dit, c'est qui là ?
ma la ila, ma la famille, ma ki mouchkil. Waha, j'ai un petit cadeau pour vous. J'ai un petit interlude musique. J'ai un peu de nashat. Excellent. J'ai un peu de nashat pour vous, madame l'ambassadrice du Canada. La course Terry Fox, nar l'had metsaouch, à partir de 8h. J'ai déjà fait de. Vous connaissez le Gdawa, je t'ai ramené ça. Madame Sandra, Renny, Sandra, allez. Sandra. Le Canada, Sandra. Ah, le Warda. Allah yhfdek. Merci beaucoup, Jokran. Merci. Voilà, ça c'était pour vous, ça. Merci, ça. C'est très apprécié. C'est pas au même niveau que de la tarte au sucre. Vous avez quand même un petit goût du Maroc. Ouais, exactement, c'est ça.